Et depuis quelques mois, le conseil régional de Gbeke a de nouveaux gestionnaires sous la présidence de Jacques Assaoré Konan. Pour mieux assurer leur nouvelle mission, les conseils régionaux ont eu droit à un séminaire de renforcement des capacités à l'initiative du bureau du conseil. Objectif, offrir aux participants les outils nécessaires pour une gestion efficace des attentes des populations. Emmanuel Bonzo. Aux affaires, depuis quelques mois, la nouvelle équipe du conseil régional de Gbeke se prépare à mieux mener sa mission. Pour cela, les conseils régionaux et les membres du comité économique, social et environnemental régional CESER de Gbeke ont bénéficié d'une formation à l'initiative du bureau du conseil. Ce séminaire de formation vise à mieux outiller les animateurs de cette entité locale afin de répondre plus efficacement aux attentes des populations. Cela constitue le premier niveau de ce travail qui nous aidera à réussir l'implication effective des populations à l'effort du développement local, enjeu essentiel de la politique de territorialisation. Il est important que chacun, à son niveau, puisse contribuer, mais en sachant ses obligations, ses devoirs et une contribution active au niveau de la population. C'est aussi apporter beaucoup de potentiel aux conseillers pour les permettre d'être très efficaces. Pour ce renforcement des capacités, des experts formateurs issus pour la plupart de la Direction générale de la décentralisation et du développement local ont permis aux participants de connaître leurs missions et compétences, les attributions et fonctionnement des organes du conseil ainsi que les droits et devoirs du conseiller. Le plan national de développement qui inspire la stratégie de développement et qui permet aux différentes autorités locales également, à leur niveau, de s'en inspirer pour les questions d'alignement et de contribution efficace. Et que c'est également les conclusions de nos consultations au niveau régional qui sont contenues dans ce document cadre de référence. Et il faut vraiment qu'ils s'en inspirent pour qu'au niveau local, la contribution soit effective pour l'atteinte des résultats escomptés. Grâce à cette formation, les conseils régionaux et les membres du CESER entendent mieux définir et orienter les actions de développement au profit des populations de la région de Gbeke.